Mag est une présentation des boutiques Ski Town, la ville du ski. Cette émission est enregistrée sur les pistes du Mont Harford. Bonjour, ici Jean-Luc Brassard et bienvenue à Ski Mag. Après de très beaux voyages, c'est toujours bien agréable de revenir au Québec et de visiter des stations de destination, dont celle-ci, au Mont Harford, où la région immédiate offre plus de 1000 chambres disponibles aux visiteurs. Et nous, bien, nous avons l'occasion de loger ici, à l'auberge 4 saisons, qui saura très bien nous accueillir. Le mont Harford propose 45 pistes réparties sur 3 montagnes et 4 versants. Les remontées mécaniques sont rapides avec des tapis d'embarquement, une hybride et 3 tapis magiques. La station est moderne avec un grand chalet qui offre aussi une restauration santé et très variée, mais aussi des après-ski très animés. On a fait beaucoup depuis 2 ans en capacité d'enneigement. On a investi près de 2 millions pour procurer à notre clientèle les meilleures conditions possibles. On a refait la conduite d'eau de A à Z depuis l'étang. On a renouvelé notre flotte de BR. On a doublé nos capacités d'enneigement au niveau des canons. Notre promesse aux clients, c'est qu'ils vont retrouver chez nous les meilleures conditions qui soient sur les plus belles dénivelées qu'on puisse trouver. Allô, les amis, je vous dérange rapidement, ça remonte. Salut, Jean-Luc. Comment ça va? Bienvenue au Mont Harford. Je te présente Étienne Meunier, directeur de l'école de glisse. Un bon skieur ce matin pour venir skier les premières traces. Mais oui, les premières traces qui sont populaires ici à la montagne, entre autres par l'orientation, beaucoup de lumière. C'est assez exceptionnel. On offre ça à nos clients à tous les dimanches de la saison. Les skieurs peuvent venir skier 1h30 avant que les autres skieurs arrivent sur les plus belles pistes, les plus belles conditions, finalement. Aujourd'hui, on skie sur un tapis. Il y a des matins qu'on se lève, qu'on va skier sur de la belle poudreuse. Puis ensuite, on se retrouve toutes dans le slalom pub pour le buffet des First Track. Il y a déjà des gens qui sont arrivés en grand nombre. On y va? Oui, oui, on va en profiter, nous autres aussi. Sarah Maude Boucher a fait partie de l'équipe nationale de ski alpin pendant plusieurs années. En 2002, elle a terminé 10e en combiné aux Jeux olympiques de Salt Lake City. Tu as quitté le monde de la compétition, ça fait quelques années. Le retour au Mont Harford, ta position et ça l'englobe quoi exactement? En fait, je suis responsable du marketing, mais le marketing au niveau des communications, au niveau des événements, c'est moi qui accueille les gens comme toi qui viennent à la montagne puis pour leur présenter les pistes puis en fait tout ce qu'on a à offrir. C'est un peu ça, mais je veux dire, c'est une montagne, c'est une grande famille ici, donc on se trouve à faire un peu de tout, là. C'est normal dans un centre de ski. Et vous avez une clientèle bien particulière ici au Mont Harford. C'est une grande montagne, mais dans une coquille très personnelle. Oui, on a un noyau de skieurs très familier qui skie ici depuis plusieurs années. Contrairement à d'autres stations de ski, je peux te garantir que la plupart des skieurs qui sont ici, quand ils attendent pour prendre la chaise, connaissent à peu près le 3/4 des personnes qui sont autour d'eux autres. Tout le monde se connaît. On vient de finir toute une piste. La maxi, comment t'as trouvé ça, Jean-Luc? Il y a de la pente, ça pousse à ne pas prendre à la légère. C'est un des dénivelés les plus impressionnants, en fait, dans les cantons de l'Est. Oui, c'est toute une pente et elle paraît beaucoup plus courte qu'elle ne l'est en réalité. Mm. C'est très long, cette pente. Il y a moyen de faire une centaine de virages de slalom, au moins. Et c'est toujours un plaisir de te voir skier. C'est agréable. On continue! Thank you.
On prend la télécabine? On en fait un autre avant de rentrer en dedans? Oui. Le Mont Harford propose la seule remontée mécanique hybride au Québec. Hybride, pourquoi? Bien, hybride, en fait, Jean-Luc, c'est parce qu'il y a des chaises et des gondoles. Donc, ça donne la chance aux gens de prendre les gondoles quand il fait plus froid, quand c'est plus venteux au sommet. Ou sinon, bien, quand c'est des belles journées comme aujourd'hui, de profiter du soleil dans la chaise. Un concept de yourte particulier au Mont Harford? Ben oui, c'est des yourtes, ça vient de la Mongolie. C'est notre chalet de montagne là, au sommet. Les gens peuvent venir ici se réchauffer. Il y a des fournaises, il y a des tables, il y a des toilettes en arrière. Au Mont Harford, on a repris les traditionnelles descentes au flambeau. Puis cette année, on va faire une soirée de descente au flambeau héraclite. Les gens vont soit monter en raquette ou en pot de phoque ou par la gondole. Ils vont venir en haut prendre un verre de vin chaud. Ensuite de ça, on va descendre la Trois-Rousseaux avec une descente au flambeau avec les moniteurs de l'école de glisse. Puis on se retrouve dans le slalom pub pour un buffet raclette. L'authentique, on retrouve l'authenticité. Oui, vraiment, comme il y a en fait dans les Alpes. Le ski au Mont Harford n'est pas une histoire récente. En fait, c'est un médecin très apprécié de la région de Magog, George Austin Bowen, qui a eu ce rêve de par la beauté naturelle de l'endroit, de par cette montagne magnifique qui est au pied de la ville, d'en faire quelque chose que les gens pourraient vraiment en profiter. Donc, dès 1940, on construit d'abord et avant tout un golf ici. Par la suite, l'implication amène à créer des pistes de ski qui ont été désignées par nul autre que Herman Smith Johansson, davantage connu sous le nom de Jack Rabbit. Au tout début, il en coûtait 3 $ pour faire du ski, non 1 $ simplement pour l'avant-midi. Les temps ont bien changé, mais le ski demeure, lui, toujours aussi fantastique. Jean-Luc, on rentre déjeuner? Oui, ça va faire du bien. On est rendu là. Restez des nôtres, car Ski Mag revient après cette pause. On imagine Mont Harford avec quelques pistes qu'on voit dans le stationnement, mais c'est tellement plus que ça. Le Mont Harford, c'est 61 pistes, dont 17 sous-bois et pistes naturelles. Je te parlais plus tôt de la contour, mais on la voit ici, la contour, là, juste en bas, là, en bas de la tête de l'hybride. Là. Ça, là, c'est une piste incroyable. Au ski de printemps ou après une bordée de neige, là, c'est sûr que tous les vrais skieurs là, vont être là pendant cette journée-là. Ce pan de montagne-là, en fait, là, il est accessible via la 4 km. Le 4 km, c'est un peu notre easy road, là. C'est le chemin pour accéder au sommet. Mais il y a plein de sous-bois puis de pistes là, qui piquent dans le bois, là, puis des passes là, vraiment incroyables. Là. Je te jure, là, après une tempête de neige, là, puis que tu reviennes, tu capoterais vraiment. Non seulement il a fait sa marque au niveau mondial, mais aussi maintenant il a sa piste ici au Mont Harford. Mon ancien coéquipier, Lloyd Langlois. Lloyd, tout a commencé ici. En effet, oui, j'ai commencé à skier ici à l'âge de 7 ans. Puis je pourrais dire que mon cœur est ici au Mont Harford. Écoute, tous mes rêves ont débuté ici. Le rêve de devenir champion du monde, de participer aux Olympiques. Si je me souviens bien, j'avais déjà entendu une entrevue
où tu disais que lorsque, disons, tu n'étais pas sur les pentes du Mofford, il y avait aussi un entraînement qui se faisait dans un cimetière à Magog. Ah, oh, mon Dieu! On a décidé d'aller un petit groupe dans un cimetière où j'ai fait mon premier saut périlleux à l'arrière, par contre. On n'a jamais dérangé personne. C'était vraiment à l'arrière. Puis c'était là que j'ai fait mon premier saut périlleux. S'il se passait quelque chose, vous étiez déjà rendu? On était déjà rendu, exactement. Lloyd a fait partie de l'équipe de ski acrobatique pendant 13 ans. Il a remporté pas moins de 47 médailles d'argent et d'or en saut acrobatique. Il a aussi 2 médailles de bronze olympique. Lloyd, maintenant que ta carrière acrobatique au niveau mondial est terminée, le Mofford, ça représente quoi? Écoutez, la montagne, ça représente tout pour moi. Je pense qu'on a une des plus belles montagnes des cantons de l'Est. C'est une montagne excellente, puis je dirais que on veut toujours que notre montagne soit valorisée au maximum. Puis c'est une place que j'adore pour venir skier avec ma famille et tout. Des journées comme aujourd'hui, c'est difficile de résister à l'appel des pentes. C'est une journée excellente. Je crois que c'est la plus belle journée qu'on a eue cette année. Puis je suis vraiment content, Jean-Luc, qu'on se revoie après toutes ces années de voyage sur le circuit de la Coupe du monde. Puis je suis vraiment content de pouvoir, après toutes ces années, voir mes anciens coéquipiers. Lloyd, c'est un plaisir, c'est réciproque et je comprends pourquoi tu t'aimes tant cet endroit parce qu'effectivement, c'est un bel endroit. Merci. Depuis le début de l'émission, on a cet excellent skieur qui nous accompagne, Étienne Meunier, directeur de l'école de ski ici au Mofford, à seulement 24 ans. Tout un défi, mais un défi très bien relevé. Oui, c'est des grosses responsabilités, beaucoup de tâches. On a tout près de 150 moniteurs à l'école de glisse. Ce qui est intéressant aussi avec ça, c'est qu'avec tous ces moniteurs-là, on arrive à offrir une très grande variété de cours pour des personnes de 3 ans et plus, que ce soit des enfants, des adultes ou des adolescents. On a des cours d'initiation au snowpark, d'initiation à la compétition aussi, que ce soit chez les enfants ou chez les adultes. Pour après, éventuellement, dans le cas du snowpark, il y a le Team OFR ici à Harford, qui est une équipe de freestyle. Puis au niveau de la course, on a le club de ski du Mofford, qui se distingue aussi énormément dans les courses, fait qu'on travaille conjointement avec eux pour justement préparer les jeunes à aller dans ces programmes-là. Puis on offre aussi la même chose aux adultes pour les préparer avec différents événements, des courses et tout ça, pour qu'ils puissent profiter de la saison de ski. Vous avez une particularité à l'école de glisse ici à Harford, c'est que vous avez un ratio qui est très peu élevé, enseignant-élève. Oui, on est une des rares écoles dans l'industrie qui a parmi les plus bas ratios. Quand on parle des jeunes de 3 à 5 ans, on a des ratios de 2 à 3 élèves par moniteur, dépendamment du niveau. Les plus avancés sont 3 avec les moniteurs. Quand on arrive dans les 6 ans et plus, on parle de des ratios de 6 élèves par moniteur. On a d'excellents skieurs de tous les âges, puis qu'on les forme tranquillement. Évidemment, notre objectif, c'est de les voir un jour joindre notre école de glisse. Et tu es un directeur d'école de glisse qui ne veut pas simplement qu'être dans son bureau, mais qui veut aussi être sur les pentes. Non, exactement. Je me fais un devoir d'être sur les pentes, d'être avec mes moniteurs. Je fais partie de ces formateurs-là qui donnent de la formation, qui est sur la neige avec eux, qui les aide. C'est un plaisir de skier en ta compagnie et sûrement on va pouvoir profiter encore de tes excellents conseils. Et cette fois-ci, on se dirige, je pense, vers une piste qui s'appelle la Magnum. Exactement, la Magnum qui se trouve sous la remontée de Giroux Nord. Une très belle piste, assez abrupte. Quand on a de la neige, on peut se permettre d'avoir un beau champ de bosse sur le côté gauche de la piste sous les chaises. Sinon, on a une très belle piste bien damée qui est très agréable à skier. C'est parti. Chronique équipement vous est présentée par les boutiques Ski Town, la ville du ski. On investit beaucoup dans nos vêtements de ski, mais qu'est-ce qui est le plus important, c'est d'investir dans les couches de base. C'est comme une fondation de maison. C'est ça qui fait que la maison va tenir. Bon, mais c'est ça qui va faire que vous allez tenir au froid. Il y a différents types de sous-vêtements que vous pouvez acheter sur le marché. Il y a des sous-vêtements en polyester, il y a des sous-vêtements en polypropylène, il y a des sous-vêtements en laine, il y a des sous-vêtements en laine mérino. Qu'est-ce qui est important, c'est que vous y allez avec le type d'activité que vous faites.
Si vous êtes plus actif, il faut aller avec un sous-vêtement qui est plus fin. Si vous êtes moins actif, assez frileux, il faut aller avec un sous-vêtement qui est médium. La laine mérino, c'est en ce moment la grosse vague de sous-vêtements sur le marché qui est vraiment adorée pour les frileux. C'est une fibre naturelle, ça respire, fait que ça évacue toute la transpiration. Et ça garde la chaleur sur le corps. Tandis qu'un sous-vêtement en coton, en polyester, ça va retenir un petit peu plus la transpiration, ce qui va faire que vous allez être mouillé puis vous allez geler. La laine mérino, c'est inodore. On peut la laver, aucun problème. Un avantage de cette laine-là, c'est qu'elle ne pique pas. Ensuite, il y a les deuxièmes couches qui sont en polar, en laine mérino, les soft shells, une veste isolante, en duvet ou en primaloft. Puis ensuite, la troisième couche, bien, c'est votre manteau de ski. Alors, avec toutes ces suggestions de couches de base, il n'y a pas de raison d'avoir froid cet hiver. Sarah, j'ai hâte que tu montres cette partie-là de la montagne, parce que la montagne a beaucoup à offrir. La télécabine hybride, le Mont Giraud avec son tapis roulant pour nous amener, des pistes ultra-modernes, pratiques et tout. Mais vous avez la particularité aussi d'avoir le petit côté vintage du ski, qui me plaît énormément. C'est la troisième montagne à te présenter aujourd'hui. C'est notre montagne sauvage. Il faut dire que c'est une partie de la montagne où il n'y a pas d'enneigement artificiel, c'est juste de la neige naturelle. C'est assez, c'est inconvénient dans le sens que quand il n'y a pas beaucoup de neige, on ne peut pas l'ouvrir. Mais par contre, aussitôt qu'il y a une belle tempête de neige, la plupart des skieurs préfèrent cette partie de montagne-là parce que, justement, ils sont assurés d'avoir juste de la neige naturelle. Pour les enfants, c'est un terrain de jeu incroyable. Le Mont Alfred Desrochers. On sent tout de suite le côté paisible en étant sur le Mont Alfred Desrochers. Bien, en effet, c'est vraiment la petite région sauvage du Mont Harford. Tout le monde l'apprécie pour ça. Puis je pense que les gens aussi qui font du ski de randonnée, du ski de fond, de la raquette, bien, ils peuvent trouver leur compte en ski alpin avec cette portion aussi de la montagne. C'est paisible pour l'instant. Dans quelques semaines, la relâche scolaire et vous avez une pléiade d'activités. Du 4 au 8 mars, on a vraiment développé avec l'école de glisse plusieurs camps, plusieurs activités, dont un camp de la relâche qui prend en charge les jeunes du matin jusqu'en fin d'après-midi. Puis en plus de ça, pour les parents qui vont arriver plus tard du travail puis pour venir chercher leurs jeunes ou pour les parents qui vont vouloir profiter de l'après-ski, on va créer un petit après-ski pour les jeunes de 4 à 7 avec des vidéos, des jeux électroniques, mais aussi des décorations de cupcakes puis plein de petites activités comme ça. Sinon, sur la montagne, les jeunes vont être dans l'avant-midi avec les moniteurs de ski. Donc, le rêve pour les parents et les enfants, puis aussi une occasion pendant leur âge de redécouvrir le Mont Harford. Mais moi, j'ai encore cet appel-là là, pour cette section-ci du Mont Alfred des Rochers. Et sa neige naturelle. Allons-y. Si vous planifiez un séjour dans la région des Cantons de l'Est et de Magog-Harford, vous retrouverez plusieurs types d'hébergements. Ouvert depuis bientôt 7 ans, l'Auberge des Quatre Saisons offre un accès directement au pied des pistes du Mont Giroux. L'auberge est parfaitement intégrée à son environnement et a été construite d'une façon écologique. Elle abrite 20 chambres, une salle d'entraînement, plusieurs salles de conférences et une épicerie. Inspirée des récentes tendances zen, toutes les chambres et suites de l'auberge allient un design pur et original, des surfaces neutres et une fenestration généreuse. L'auberge propose aussi aux visiteurs son bistrot. Le décor du bistrot est apaisant et offre une ambiance conviviale. Le restaurant vous offre une cuisine simple et raffinée à tendance européenne. La carte des vins est bien garnie avec une importation privée. Le chef Antoine Roux et son équipe sauront émerveiller vos papilles. Du tartare de canard, coriandre, pommes, grenades et riz soufflé ou risotto de fruits de mer, vous serez comblés. À la fois chaleureux et raffiné, le bistrot et l'auberge aux quatre saisons est une halte de premier choix à Magog-Harford. Sarah Maude, c'est déjà terminé. Merci de ton accompagnement, de nous avoir fait redécouvrir cette montagne exceptionnelle qu'est le Mont Harford. Ça nous a fait plaisir de te recevoir avec l'équipe de SkiMag. Puis on espère vraiment que vous allez revenir bientôt. Ça, c'est une certitude. Quant à nous, on se retrouve la fin de semaine prochaine au massif de Charlevoix pour jeter un coup d'œil sur les nouveautés.
Nous désirons remercier les vêtements Icebreaker. Chaleur, respirabilité, douceur et sans odeur. Ski Mag vous a été présenté par les boutiques Ski Town, la ville du ski. Cette émission vous a été présentée depuis les pistes du Mont Harford. Bonjour et bienvenue à Ski Mag pour une autre Ski Mag. On se retrouve la fin de semaine prochaine au massif de Charlevoix pour des petites ciboles. Où c'est que je m'en vais avec ça, moi? Bonjour, ici Jean-Luc Brassard et bienvenue à Ski Mag. De retour de très agréable voyage. J'ai adoré mon expérience ici au Mont Harford. Merci de l'accompagnement. Merci de vos... La région reçoit près de 1000 chambres à coucher et nous pouvons entre autres en utiliser une ici à l'Auberge 4 Saisons, mais simplement si on est gentil. Parce que si on n'est pas gentil, on couche en bas. Là. C'est pas le fun parce que c'est froid.